Ce que les jeunes font présentement, c'est un entraînement virtuel. Ce système-là nous permet de mesurer est-ce que le jeune a une bonne vision périphérique ou si on mesure la qualité de ses passes, le temps de réaction et s'il prend la bonne décision. Je ne crois pas que ça va remplacer le sport traditionnel, mais ça va bonifier les types d'entraînement pour les joueurs. Le VR, là, c'est utilisé en médecine, c'est utilisé dans plein d'industries. Là. Le sport était juste en retard. Des gardiens professionnels présentement l'utilisent. Il y a deux équipes de la Ligue nationale qui ont ce système-là dans leurs installations. Il y a les Kings de Los Angeles et Knights de Vegas aussi qui l'ont. Dans ce cas-ci, le joueur est dans son espace et doit prendre la bonne décision. Des fois, ça peut être lancé au but, des fois, c'est passé au joueur qui est ouvert. Là, c'est une situation de 3 contre 1. On s'en va l'essayer. Là, je vais faire des passes. OK, je l'ai lancé bien trop fort, hein? Mais trouvez-vous bon? Je suis mieux de rester journaliste. Là, faut que j'essaye de clencher un goaler. Malade. Et le but. Oh! Hey, c'est fou, Red. Je sens pas le poids de la puck, c'est tout ce qui manque. C'est fou, c'est vraiment un jeu vidéo. Puis vous êtes comme les modérateurs du jeu. Faut faire attention, nous on l'appelle jamais un jeu parce que oui, c'est plaisant, puis là, c'est un entraînement. Les jeunes, ils partent après une demi-heure, ils sont exténués, ils sont en sueur. Comment le système pourrait être meilleur? Ce qu'on pourrait ajouter, ça serait d'autres capteurs. Présentement, les gardiens, ils ont un capteur sur la mitaine, le bloqueur. D'ici quelques semaines, il va pouvoir se voir au complet. On va pouvoir capter tous les déplacements, la position des jambières et tout sur la glace. Tu vas être complètement dans le jeu. Tu vas être complètement dans le jeu. Ça donne chaud, c'est du sport. Honnêtement, on oublie vraiment où on est, là, ça n'a pas de sens. Là. Puis tu sens la rondelle quand elle arrive, il y a comme une vibration dans le bâton, c'est malade. Je comprends pourquoi c'est le fun.